Bonsoir, internautatrice et internautateur. Ici Galen pour les jeux du signe. La colonie des seringues. Non, c'est le clan des seringues. Que l'on retrouve avec joie et bonheur. Notre ami Canton. Qui est fidèle au poste. Admirable de persévérance. Et voilà. On a rechargé, je préfère une meute de chasseur d'hommes. Ça va picoter ceci dit. Ouais, ça va picoter. Ouais, j'aurais préféré dans les chambres d'à côté. Je viens de recharger en fait, parce que... Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi, j'avais... Je viens de recharger, parce que je m'étais chopé une infestation dans cette pièce-là. J'avais moyennement envie de voir disparaître mes deux postes high-tech et mon multi-analyseur, comme ça, quoi. Bon, ceci dit, la meute de chasseurs d'hommes de Ratalope. Rataboom, pardon. Ça va picoter un peu. Toi, tu cours en rillette. Les vampires, ils vont pas aimer. Faut du feu partout, ouais, explosif, au sens propre. Rossignol, hop, tac. T'as rien bouffé, t'as rien dormi. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon... Mon super Trumbo. Ouais, donc j'ai quelques nouveaux modes. Ouais, ça devrait passer. En particulier, j'ai un mode minimap qui est plutôt sympathique. J'ai un mode qui fait que j'affiche que ce qui m'intéresse. Alors là, je l'ai pas réglé du coup sur cette partie-là. C'est vrai qu'il y a plein de trucs dont on n'a pas forcément besoin quand... La minimale. Pourquoi minimale? Minimap. Minimal. Tac, tac, tac. Voilà, et puis deux, trois trucs. Un truc pour... comment pour pouvoir... Ah, je vais y arriver. Ouais, miner une veine. D'un type de ressources particulier. Si par exemple. Alors là, sur cette carte là, c'est pas forcément hyper utile, mais voilà, si je veux. Hop. Ça là, tac. Pain Mine, si je clique là-dessus, tac. On me sélectionne tout l'acier. Ce qui est plutôt cool. Mais là, c'est vrai que j'en ai pas des masses besoin. Si ça peut me permettre par exemple de voir. Là. Ah oui, il y a un peu d'acier quand même là-dedans. J'ai un tout petit peu du semi-cheat, on va dire. C'est quand même avant tout pratique. Bien. Hey, il va falloir... Attends, toi, il faut que tu ailles bouffer avant le combat, là. Mange un plat simple, ouais. Et les autres, il va quand même falloir que vous bougiez les fesses. Bon, tu vas pas les jouer du fer à cheval. Éternel, fabriquer un composant, non. Tac. Scorch, tac, tac. Oh, Katox. Salut, Katox. Il est là, ton lien royal. Dans les grosses montagnes, si tu misclics, le PC va ramer pour sélectionner tout le marbre. Oui, ça, j'imagine. Oui. Il est là, ton lit royal. T'as vu ta belle chambre, là? Elle est magnifique. Elle est quand même hein, extrêmement impressionnante. Voilà, il y a même un berceau tout prêt pour la prochaine fois que vous ferez un gosse. Hop, allez, vous aussi au boulot. Sir Madness. Ramène, ouais, quand t'auras fini rapidement un peu, je les lâcherai.
Ouais, t'es un sangophage maintenant. T'es un sangophage. Où est-ce que t'es? T'es ici. Voilà, tac. Et on pourrait même faire de Damned d'un sangophage en fait. Il faudrait que Caneton donne ses implante ses gènes. Et oh, vous avez une chobiti. C'est ça. Donc Onyxtro. Bon, t'es en train de bouffer, on va te laisser finir de bouffer. Shadow. Tac. Merde, trop tôt. Tac. Non. Tac, tac. Je vais les ramener un peu plus loin. Spikey. Tac. Rossignol. Ici, Francis, Dodo, ouais, Lycium, t'es où Lycium? Tu décharges l'inventaire, alors je préfère que tu ailles me bouffer un morceau. Eh bah oui, mais c'est le prochain, hein. De toute façon, il va manger un morceau. John, tu te reposes, pas... non, tu vas pas te reposer, même si t'es fatigué. Hop, j'ai besoin de toi. Par contre, Ketox, tac. Non, Chobiti, tu... Non, pas là, Chobiti. Définitivement pas là. Hop. Putain, ça va vite, cette saloperie, bordel. Hop, Rossignol. Hop. Au taf. Ça va vite, cette saloperie. Top, Cire et Shadow, vous lâchez. J'ai besoin de vous. Lycium, t'as bouffé au boulot, j'ai besoin de tes armes. Oh putain. Ça inique, ça va péter. Onyxtro, non, tu vas pas te reposer, tu vas venir là aussi. Les vibros, c'est pas gratuit. La mariée, ils sont cons. Oh, Damned, Léla, Katox, je vais peut-être avoir besoin d'elle pour aller sauver du monde. Quand même, hop. Ils sont loin, ils sont loin. Boum. 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 Ça pète dans tous les sens. Shadow, hop. Sir Madness, hop. Chobiti, va te coucher. Non, ravitaille du générateur en bois. Et... Ouah, Henriette, boum. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça va péter dans tous les sens. Boum, Caneton, à terre. Tom, casse-toi. Le signal. Va me secourir Henriette. En fait, on va plutôt faire comme ça. Scorch, tu vas là. Ici, c'est géré comment? Mal. Chobiti. Hop. Ok. Katox. Va me sauver Caneton. Boum. Putain. Onyxtro. Tac. Tom qui est dans le mal. Ouais. Sir Madness, qu'est-ce que tu me fais là? On en est où là? Boum. Il en reste combien? On n'a pas beaucoup d'arbres. Il brûle. Ouais, si. Hein. En vrai, des arbres, il y en a. Il en reste un qui vigousse. Allez, tire-lui dessus, là. Putain, ça pète dans tous les sens. Ok, c'est bon, on y arrive.
Il reste Tom à sauver. Hop. Secours Tom. C'est bon, le dernier HS. Sir Madness. À la flotte, DB Games, à la flotte. Onyxtro. Il faut qu'on récupère de toute urgence ça et ça. C'est les deux seuls qui sont tombés. Ouais. Donc, démobiliser. Démobiliser. Hop, démobiliser. Bon. Francis, tu vas. Qui est-ce qui va monter en état? Henriette, Tom, et là, Sir Madness. Merde, il est tombé. Damn it. Tac-tac. Secourir Sir Madness. Hop. Rossignol, qu'est-ce qu'il faut, Rossignol? Tac, Katox. Va nous sauver tout ce beau monde. Si t'allais. C'est quoi ça? Place simple. Bon, ça, c'est pas très grave si ça crame. On en fera d'autres. Hop. Toc, toc. Hop. On décharge tout ça. Ils sont où les autres yaks là? Tac. C'est presque plus rapide de faire comme ça en général. Hop. J'en ai combien? J'en ai 4 des yaks. J'en ai pas plus que ça avec mes matos. Non, ils étaient que 4, manifestement. Hop, tu me fais du transporter urgemment. Tac, 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 tac. Ok. Bon, normalement. On devrait arriver à gérer ça. Tac, tac. Ouais, si un tabou brûle, c'est pas très grave. Ah si, restez lui. Bien, non, l'urne en métal, tu vas me déconstruire même. En fait, ça aussi, tu vas me déconstruire. Hop. Ouh, putain les médecins ils ont du taf là. T'es content d'avoir ça c'est quoi lion de marbre excellent aussi ça je vais garder. T'es content d'avoir des médecins. Qu'est-ce que fout Katox avec comme porte me pue. Mais c'est quoi cette. T'es sérieuse là? Katox, il y a plein de blessés, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde. Elle regarde au télescope, quoi. Est-ce qu'ils sont tous soignés? Tac. Priorité soigne. Hop. Francis qui s'en occupe aussi. Parfait. Bien. Bon. Ce fut chaud, mais je vais pas être dallage sur les portes. En fait, je sais jamais s'il faut vraiment mettre ou pas. Je sais pas vraiment si ça change quoi que ce soit.
Je me suis toujours un peu posé la question et j'ai jamais vraiment eu la réponse, je crois. Parce que de toute façon, de la terre, ils en transportent potentiellement depuis l'extérieur. Alors, ceci dit, c'est vrai que c'est un peu moche. Je reconnais que. Je reconnais que c'est un peu moche. C'est plutôt du dallage partout. Ouais, non, mais t'as raison. Visuellement, je suis d'accord avec toi. Tac. C'est vrai que c'est plus. Là, il y en a et c'est vrai que c'est plus clean. Master in place. Non, mais c'est pas grave, je veux pas qu'elle soit transportée, du coup, je veux juste qu'elle soit déconstruite. Hop. Lâche ça. Et une petite infection pour chez Sir Madness. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais putain. Ça me saoule ça. Les mecs, ils sont à deux doigts du. Ah putain, j'ai plus de bouffe. Va cuisiner. Non, on va pas cuisiner. Qui d'autre peut cuisiner? Spikey. Hop, on va cuisiner. Toi, va secourir Cire. Bon, les urnes, hop, on déconstruit. Tac, tac. Franchement, j'en ai plus besoin. C'est rigolo au début pour faire un peu de happiness, mais c'est quand même pas indispensable. Sol, hop, le pavement béton, tac, tac, tac. Tiens, pour mes cochons, je pourrais mettre des cordes. Ah ben non, ils vont pas bouffer les animaux enragés. J'ai bien grizzly dans mon. Warthink, merde. Oui, il est là. Ouais, normalement ça devrait le faire. Hop. Voilà. Il s'était caché. Ah si. Il est toujours en chasse là. Ah oui, chasse. Bon, on va espérer que ça va passer. Voilà, ça passe. Quel talent. Mettre. Hop, transporte-moi ça. Voilà. Bien. Lui, il va peut-être falloir que je lui mette une petite zone là. Nouvelle zone. Tac, tac, tac. Alors, zone, hop, animaux. Bah, ça va être partout, sauf à l'intérieur. Facile. Ou la même que l'enclos. Ouais, à la limite. Comme ça, il ne baladera pas trop. Parce que bon.
mignon, hein, mais. Ah, fuck. Bon. Je suis pas dramatique, mais. Il faut juste qu'ils pensent bien à les soigner. Parce que j'ai constaté que c'était pas toujours génial, le suivi du soin. Tu as raisonné pour le fond. Non. Oh là, putain, mais heureusement que t'es là. Sérieux, Canton? Que ferais-je sans toi, quoi? Que ferais-je sans toi, ami Kenton? Je suis bon, coupe-moi du bois, j'en ai besoin. Je suis sûr que j'ai besoin de bois. Est-ce que j'ai besoin de bois? Ouais, 208 de bois. Chef-d'œuvre. Parquet d'enfant, fourrure bleue. Joli. Alors, je dois pouvoir rééquiper mes gens. Alors. En vrai, Canton, il y a quand même des stats un peu de merde. Hein. Finalement. Parce qu'il n'y a quand même que 7 trompes de mêlée. Alors, sauf que. Combattant aguerri, ça fait quoi? Facteur de dégâts de mêlée 150%. Mêlée habile, mêlée plus 4. Il y a des réserves de sang un peu n'importe où. Bah non. Pourquoi tu dis ça? Bon, surtout le problème c'est que j'ai peu de. Je commence à voir finalement que. Non, c'est juste que ça, ils ont. Hop. Transporter ça. C'est qu'ils le laissent traîner en fait dans le grand stockage. Ah, t'as raison. Comment ça fait? Là, je suis en quoi? Je suis en importante. Bon, ceci dit, c'est pas très très grave. Hein. Mais. Ouais, non, il n'y en a pas trop. Ouais, c'est la même priorité. Ouais, à la limite, comme ça, ils vont chercher là où ils ont besoin. Moi, je remarque que Katox, elle efface les dessins faits par ses enfants. Je dis ça, je dis rien, mais. Mais je le dis quand même. T'as quoi comme sol, toi? C'est quoi le sol? Donc. Il a peut-être compris que c'était pas forcément le meilleur endroit. Même si c'est discutable, hein. On est d'accord que c'est quand même drôlement sympa comme zone. Mais. Canton totalement guéri. Alors, ce que j'ai fait sur mon autre partie solo, c'est que j'ai quand même un peu réorganisé mon monde pour mettre par stats pour donner les meilleures armes. Meilleur combattant, même si Canton est. Certainement meilleur que les autres. Quand même, c'est lui qui a les moins bonnes stats en mêlée. Alors, 14,95.
14, 24, 12, 39, 13, 54, tac. Spike, 14, 33. Tac. Spike est meilleur que Storch. DB gagne 12, 39, tac. Au signal, c'est un mêlée. Hop, mêlée aussi. 7, 0, 4, 6, 84, 7, 16. Ok. Bon, meilleure team erreur, tout le monde sait que c'est Damned, hein, mais. Le meilleur pour défoncer papa. Tiens, j'aime trop. Est-ce qu'en fait ça, Chobiti, elle peut venir s'installer ici. Bon, il va me faire ce que je vais demander là. Ok, bon, on arrive à récupérer un fonctionnement à peu près normal. Bon, il reste quand même ce petit détail à gérer là. Truc des foliateurs. Non, j'ai jamais eu de. Ouais, il faut quand même que j'aille le gérer. Tôt ou tard. Hop, sur Madness, ça devrait aller. Infection importante. Ouais, il a bientôt développé l'immunité. Tom. A pris cher. J'ai plein de blocs de calcaire, tiens. Ah oui, donc, attends, maintenant que j'ai géré ça, je vais quand même gérer mes armes, du coup. Alors, ma lance, qui est un chef-d'œuvre. C'est vrai pour Sirmanes. Où est-ce qu'elle est, la lance qui est un chef-d'œuvre? Là. Tac. Quand tu seras en forme, Onyx Tro, t'as la deuxième meilleure arme, c'est bien. Elle est où ma super épée? Parce que là, il n'a pas d'arme, qui du coup qu'elle tourne. C'est quelqu'un qui l'a sur lui. Hop, ration de survie. Riz, qu'est-ce que tu fous du riz sur toi, toi? Tac. Et toi, les croquettes, tu les stockes, hein? N'importe quoi. Tac. Damned, on voit qu'il fait des réserves de bouffe, hein? Est-ce que tous mes bestiaux ont bien été déchargés? Urne en métal à déconstruire. Bon, ça c'est tous ceux qui sont malades. Ok. Donc ma super épée légendaire shader, là, elle a disparu, j'ai l'impression. Elle est plus répertoriée. Je sais pas pourquoi. Bon, Tom, tu vas les choper. Hop. Quand tu seras en état. Wow, 18%. Peut-être falloir que je me reconstruise des armes quand même, non? Ouais, je sais pas. Peut-être brûler. Ah, j'ai pas les longues lames. Ouais, je ferai les longues lames après l'énergie géothermique quand même. Ouais, ce sera mieux. Avant de refaire d'autres armes. Du coup, Henriette, t'as quoi comme arme, toi? T'as pas d'arme non plus, super. Du coup, j'aurais besoin de ça là.
Henriette. Équiper ça, putain, je suis carrément dans une drame, j'ai pas assez d'armes, quoi. Il m'en manque une, merde. Il manque une arme de cac. Bon, je vais me faire une masse médiévale. Est-ce que j'ai pas d'uranium par hasard? Si. Non, j'ai pas d'uranium. Je l'ai de plastacier, c'est un peu con. C'est un peu con d'utiliser du plastacier pour ça. Hop. On va me faire une bonne arme. Et ensuite, on verra. Éternel, au niveau des armes à distance. C'est Éternel qui a celle-ci, très bien. C'est Storch qui est la deuxième, ça ira. Shadow, ça ira aussi. Spikey, très bien. Alors, DB Games, tu pourrais avoir un fusil à pompe. Sauf que tu as. T'as quoi toi? Ah oui, du coup, t'as le fusil d'assaut qui est sur lithium. Ah. Alors lithium, tu as lâché ton fusil d'assaut et tu vas échanger ton fusil d'assaut avec celui de DB Games. Hop. Lâcher fusil d'assaut normal. Hop, lithium. Tu vas aller équiper ça. Hop. Voilà. Tac. Et équipé. Ok. Bon. Une des meilleures armes au meilleur endroit. Très bien. Très très bien. Ok. Bon bah. RIP là. L'épée longue chef-d'œuvre que j'avais au début. Alors, qu'est-ce que tu arrives à nous faire toi du coup? Elle est juste bonne. Bon, dommage. Il se classe comment du coup? En termes de DPS, ok. Donc, Canton, tu as chopé la lance de Rossignol. Et Rossignol, tu vas aller choper ça. Équiper masse en métal. Canton, tac tac tac, quand tu auras fini, tu vas équiper ça. Nickel. Voilà. Ça, je m'attendais bien à ce que ce Grizzly me fasse chier à un moment ou à un autre. Éternel, hop, tac. Celui-ci, je le sentais venir. Canton. Tac. Bon, c'est bon. Tu peux retourner. Hop, enseigner à ton fiston. Alors, il va falloir que je m'occupe. Warg dans un enclos. Putain, faut que je... Cette bestiole. Hop. Tac. Francis, non, t'es pas terrible. Ils sont tous à perpète les autres. DB Games. Allez. On va aller se faire du warg. Moyennement ça. Tac.
trop proche non plus. Hein. Ah merde, il avait... Ah non, merde, c'est pas lui que je voulais, c'était pas John que je voulais. Chase. Mixtro bof. Ouais, bah, je vais attendre des B-Games. Si, là, non. Spikey, où t'es là? Viens là. Petit Spikey. Le Storch, t'es où? T'es Perpète. Bon. Hop. Attention, chérie, ça va péter. Bim. Là, c'est fait. Hop. Quelle efficacité. Je commence à manquer de place là. Et un petit raid. Ouf. Bon, et ben, Mayday. Putain, ils sont tous à Perpète. Oh, bordel. Ils sont tous à Perpète. John te fuit. Putain, on va mourir. Ah oh, putain, il s'attaque au Trumbos, l'enculé. Ça le réveille pas, si. Tu me dis, ça va peut-être lui faire bizarre quand il va se réveiller. Hop, reste là toi. Katox, je vais peut-être sauvegarder. Hop. Canton, ça va être le drame là. Il va être tout seul, bordel. Il va être le drame. Putain. Tac. Ici, tu vas t'arrêter là pour tirer tout de suite. DB Games, tu tires un peu à distance, tu vas t'arrêter là. Hop. Tom, là. Ouf. Francis s'est fait défoncer. C'était un savant. Bon, saloperie. Tac. Saloperie. De le Stromos, il s'est rendormi, quoi. Bon, bah, désolé, Francis, rip. Il s'est fait one-shot, quoi. De l'âme au cou a causé la mort. Ouais, rip. Ce sont les risques du métier. Ce sera mon deuxième mort en deux épisodes. Putain, ça s'était passé nickel jusque-là, franchement. Il va falloir que je prévoie un cercueil.
Un sarcophage en calcaire, on a dit. Où est-ce qu'on va mettre Francis? Où est-ce qu'on mettra Francis? Bonne question. Ouais, une mémoria. Hop, il y en a là. Oh putain, Hérocine Alcachès aussi. Die, you son of bitch. Tiens, prends-toi ça dans ta gueule. Et Canton, il est dans quel état? Bling out. Il est dans un sale état, Canton. Catox. Va sauver ton amoureux. Bon. Et mon deuxième médecin, c'est qui? Yep. C'est Sermon Ness qui a perpète les oies. Fait chier. John va sauver aussi. Tac. Onyxtro va te. Qu'est-ce que tu me fais? Admire les étoiles. T'as raison. Bon, tu n'as t'as une condition. Hop. Bon, bah ensuite, ça fera la nourriture pour les cochons. L'urne en métal, l'urne en métal, je t'ai demandé de me la déconstruire. Oui, je sais. Francis, pour l'instant, tu vas rester ici. Hop. Voilà. Tac. Et vous, du coup, vous allez me transporter du bordel. Hop. Hop. Est-ce que j'en ai encore qui sont... Non, c'est bon. Ouais, on fera peut-être une pièce mortuaire. Je ferai effectivement sans doute une pièce mortuaire. Pourrais faire une pièce mortuaire par là, genre. Oula, c'est beau. Francis, je crois que je ne l'avais pas renommé. Donc, il me semble. Hein. Attends. Bio. Je sais pas si c'était le surnom de. Ah bah si, merde, Francis. Oh merde! Francis, c'est mon. Mon. Le type avec qui j'ai. Qui m'a posé plein de questions, fait plein de remarques sur YouTube. Ah, oh, désolé! Désolé, je devais renommer à l'épisode précédent. Aïe aïe aïe. Sans doute un Francis 2, ça c'est bien possible du coup. Non, c'est un type qui a regardé assidûment tout ce que j'ai tous les épisodes là sur cette série. Il m'a fait me poser plein de questions, fait plein de remarques intéressantes. Et c'est suffisamment rare pour que ce soit salué. Quelques viewers exceptionnels sur qui me suivent sur Twitch. Hein. Ceux-là, on les connaît bien. Et ils sont exceptionnels.
Rossignol, maladie grave, healing out, bah oui. T'es bon Shadow, ouais ça va. Ça a failli que Rossignol il y passe. Hein. Il s'est pris quoi? Il a perdu. Non, il a rien perdu de particulier, mais. Hey, mais c'est un savant aussi. Non, c'est un humain. Bon. À Canton, il n'y a personne qui l'a soigné. Bah, c'est cool. Bravo. Félicitations. Tant que t'es là, tu vas reprendre ta lance. Du coup, j'ai dû récupérer des armes. Une bonne lance. Hop. Hop. Rossignol aussi, hein, quand... ouais, pour l'instant, tu peux pas. Non, je te dis. Bonne lance. Qu'est-ce qu'il va me faire? C'est déjà mon meilleur constructeur, c'est Tom. Spike, quand tu auras fini, tu vas m'apporter du calcaire ici. Hop. C'est la fête. C'est la fête, on vient de perdre quelqu'un. Capture de cargo. Du wake-up. Ouais. Ok. Pas ouf. On vient de perdre quelqu'un, on fait la fête, n'importe quoi, je te jure. Alors que Rossignol est entre la vie et la mort. Aucune considération pour les potes. La fête est finie. Hop, on a dit, Tom. Quand tu auras fini, tu vas me faire construire ça. Ouais, on pourrait honorer ça, mon coup de binouze. Je sais pas s'il y a une commande pour faire en sorte que tout le monde prenne une bière, parce que sinon ça va être compliqué. Ah, un cochon qui est passé. Tac. Continue. Hop. Francis. Il est temps d'enterrer Francis. Oh merde, il s'est fait bouffer la tête. Oups. Il s'est fait bouffer la tête. C'est dégueulasse. Saleté de bestiole qui rôde. Ah, une petite éruption solaire, super. Super, tech. Un profiteur d'orange. Oui, d'accord. Par contre, ça, c'est un très mauvais plan. Ce petit truc là, la con qui reste. Hop. Hop.
sol. Ah, mon signal peut de nouveau marcher. Quand même améliorer ce dallage blanc qui soit vraiment blanc. C'est quand même tellement plus classe quand c'est bien en mode noir et blanc. Tac. Hop, du coup je vais faire un carrelage en ardoise. Tac, à l'entrée à chaque fois. Je sais pas pourquoi celle-là elle fonctionne, mais c'est marrant. Alors, l'axe. Un condamné en cavale vous appelle. Et pourchassé par les hop. Est-ce que je vais me faire un autre fight là? Évader humain. Est-ce que je vais me ressembler? Est-ce qu'ils ont soigné mon train de boss, au fait? On va attendre la dernière minute et on va l'accepter. Ah putain, il y a de nouveau plus de bouffe, fait chier. Katox, réveille-toi. Et va faire de la bouffe. Non, re-signale. On sait, t'as la dalle. Tu vas attendre de voir un vrai plat. Voilà. Ah, c'est pour nourrir un prisonnier en plus. C'est ton honneur, quoi. Ah oui, mais t'as 15 de sociabilité, ok. Tac. Va t'équiper d'une bonne lance. Lentement, mais sûrement. Le prochain combat, tu pourras le faire depuis ton lit. Hop. Allez, on va accepter l'axe. J'espère que je ne le regretterai pas. On va peut-être sauvegarder avant, parce que si l'axe est vraiment trop mauvais, je rechargerai peut-être. Hop. Alors, qu'est-ce que tu veux, l'axe? Bio, tu fais du minage, de l'artisanat, de l'agriculture. Indolente. Super. Bon. C'est pas ouf. On va voir ce que nous donne le combat. Ouais, c'est nouveau les Néandertaliens. Ah non, c'est les... Oh putain, ça va. Il va y avoir des flammes dans tous les sens. Bon, et ben... Allons-y, allons-y, hein. Tac. Hop, tout le monde souffre aussi. Oh. Tac. Tac.
une protection toute pourrie. Ah, où est-ce qu'il va? Tiens, c'est marrant, il va traverser par là. Oh, ça m'arrangerait. Franchement, ça m'arrangerait. Ah non. Ah si, il y en a qui vont passer directement par là. C'est marrant. Allez, tac tac tac. C'est bon pour tout le monde. Toi, tu fais quoi? Tu fais que de la merde en combat, donc tu vas pas m'enfiler le village, j'y vais par balle. Tiens, Shomiti, tu es tech. Tu es aussi une ouvrière. Tu vas me prendre une arme à distance. Tu vas me prendre. Et merci, Always, pour le raid. Bienvenue ici. Sangrifeld, salut à toi. Merci de passer. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que nouveau l'honneur de votre passage ici? Est-ce que vous seriez par hasard de... C'est quoi ce mode de jeu? Ce mode-là? C'est un mode celui-ci? Je suppose que tu es Rimworlder, donc. C'est un mode que je trouve hyper pratique. Il répertorie, qui s'appelle Weapons, si je ne me trompe pas. Qui répertorie tout ce que tu as chez toi. Et qui est vraiment génial pour un... Oh, un Zidzit! Toi, je te connais. Ah, c'est une Rimworldeuse aussi. D'accord. Les meilleurs, oh, je ne sais pas si... plus au bon endroit, les meilleurs sont toujours allés ailleurs. Donc voilà, c'est un mode qui permet de savoir où sont tes... Qu'est-ce que tu as comme arme avec les stats liées aussi, même si en général, quand même, je me réfère principalement au DPS, à votre DPS avec avec la précision pour les armes à distance. Et voilà, c'est hyper pratique, ça permet de les retrouver facilement. Tu vois, hop, je clique dessus. Alors, sauf que c'est mal placé, mais voilà, ça te sélectionne en fait directement le perso qui. Le perso qui porte chaque arme. Et si c'est dans ton stock, bah, ça t'amène directement dessus. Ça te la sélectionne. Zidzit, c'est monsieur... comment... c'est bien toi qui développe le mode Battle Royale, c'est ça, hein, je crois. Hop. Gros boulot en tout cas. Je suis plein d'admiration pour ces joueurs qui ne comptent pas leur temps. Hop. Mais si, reviens gamin. Oh, mais reviens. T'étais bien là. Bon. Alors, mais... tac, 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 tac. Et par là. C'est un gourou, ouais, mais il y a plein de gourous en fait. C'est... où il est, John? Putain, mais John, qu'est-ce que tu veux te toucher la nuit? Viens par là. Tac. Canton. Si, tac, tac. Plein de gourous, parce que la première fois que DB Games est arrivé, on m'a dit que c'était aussi un gourou. Bon, à la fin, je m'y perds. Hein. Hop, allez, venez par là, les cocos. Venez vous faire défoncer. Et
merdes, ils vont tous pas au bon endroit. Ils vont tous pas au bon endroit. Et ils se font pas attraper par les... Aïe. John, tu vas souffrir. Faut que tu te barres, John. Tu vas avoir chaud aussi. Aïe. Aïe, John, c'est le mal. Merde, ça lui a pas fait fuir encore. Bon, canton, jump. Jump sur leur tête, tac, Henriette, jump sur leur tête aussi. Tac. Toi, t'as quoi comme arme? T'as aussi une arme de cac. Sionixtro, hop, et Tom. Hop, allez m'attaquer ça. Et vous, allez sauver le reste de la base. Tac. Hop. Bim. Voilà, très bien. John. Valo. Très bien. Tac. Et vous faites le comité d'accueil. Tac. C'est beau par rapport à toi. En même temps, c'est une base aussi qui est développée depuis un certain temps maintenant. Donc, il est possible que... Hop, allez m'éteindre ça. Ah merde! Qu'est-ce qui passe par l'intérieur, c'est con? Mais non, mais... Oh putain, ils sont sérieux quoi? Ils vont l'ouvrir en deux. Hop, allez par là. Des fois que... Tac, tac. L'axe, tu peux aussi... Tac. Prends tes armes. Donne-l'aide. Ouais, fais pas trop mal, donne-l'aide. Faut vraiment construire ça et ça. Une base qui a 3 ans, elle a. Ouais, 180 jours. Oui, tu le vois comme ça, qu'elle a 3 ans? Ah, c'est que ça commence en 5005. Ouais, 180, 174 jours. Pour une base de 3 ans, tu trouves ça impressionnant? Qu'est-ce que tu veux, toi? Minage intellectuel. J'ai une petite armure, c'est bien ça, surtout pour un intello. D'accord. Bah écoute, merci. un intello qui... Je vais peut-être te mettre en chercheur de nuit, toi. Capturer. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont HS et capturables? Non. Canton, tac, je vais te soigner. Toi, tu as quelques brûlures, ouais, j'imagine. Tac, allez par là. Essayez d'en attraper 2-3 là. Hop. Bim. Bim. Ah, ça c'est bon. Le dernier il s'échappera, mais... Voilà. Ok. Bah pour info, c'est ma première
Non, c'est pas ma première partie. Hein. N'exagérons pas. C'est ma première partie avec Biotech. Et c'est la première partie que je stream. Ce qui n'est pas rien non plus. Hop. Allez, on transporte tout ça et tout ça. Et on démobilise tout le monde. Tac, tac, tac. Tac. John, tu te balades où toi? Tu manges? Bon, ok. Manger, ensuite tu vas te coucher. Tac, tac. Freiner le mouvement. Formidable. Et non, John, tu... bon. C'est mon... C'est mon... Ma nourriture... Mon... Comment? Mon auge pour les sangliers. J'ai ça aussi. Pour nourrir mes cochons. L'ardoise n'a plus des mastomes. Décharger mon inventaire. Alors, c'est bien de décharger ton inventaire, mais si tu pouvais, qu'est-ce que tu as d'autre? Ça, tu le feras plus tard. Si tu vas. Voilà. Ah oh, putain, je me suis pas occupé de mes défoliateurs. Ils commencent à arriver. Il va vraiment falloir que je le fasse. Tiens, il faut que je gère. Bah tiens. Hop. Always, tu vas avoir droit, si tu veux bien, de prendre le nom de l'axe qui vient de nous rejoindre. Hop. Si ça te convient. Sinon, je la renommerai l'axe. Alors, l'axe... Always, pardon, du coup. Tac, 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 tac. Cheveux, on s'en fout un peu. Toi, tu fais quoi? Tu fais minage artisanat. J'ai toujours besoin d'artisans. J'ai moins besoin de mineurs. Tac. Par contre, toujours de la construction et du forestage, mais principalement artisan. Tu peux être chasseuse aussi. Voilà. Bienvenue dans le clan Always. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais plus qui je peux renommer encore. Parce que j'ai presque tout le monde qui est renommé. Je crois que Spikey, il a jamais été renommé. Pas sûr. Hop, toi, tu vas être recruté. Ok. Bon, et puis, dès demain matin, je vais aller m'occuper de ce truc-là, parce que quand même, faut vraiment pas, faut que j'arrête d'attendre.
Parce que je me plains de ne pas avoir beaucoup de bois, je vais vraiment finir par en avoir plus du tout. Comme tout le monde aura fait son dodo, hop, allez. Toujours pas de membres. Là aussi, ouais, ils sont mal. Pourquoi est-ce que toi, ah, c'est Carence au Yayo. Putain, ça te fout. Ouf. Ah ouais. Ouais, en fait, il faut que t'en prennes tous les 5 jours, quoi. J'ai quel stock en Yayo? 18, ouais, ça va. Bon, allez. Faut pas que je mette aussi peu Yayo. Tac, modifier. Tous les 5 jours. Hop. Là. Médical, ouais, c'est ça. Spikey, qu'est-ce qui fait que t'as. Hop. T'as perdu la prothèse, ok. Et en manipulation, dépense au Yayo, dépense au Yayo. Rossignol, t'es dans les choux. Lithium. Main de trotteur. Ouais. Prothèse de bras. Bon. Ok, bon allez. Ça va être l'heure de la baston encore. Hop. À 7 h du mat. Allez, on se réveille. Si jamais vous dormiez. Tac, tac. Et. On va manger un morceau. Et ensuite, au combat. Allez, au combat. Pouf. Alors, j'ai que du cac face à moi. Donc, va falloir faire une belle ligne. Hop. Les cacs un peu en avant. Tac, tac. Tac, 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 tac. Hop. Non, je n'ai rien. Tous ceux qui tirent à proximité, hop, devant. Et c'est parti, mon kiki. Tac. Oh, joli. 9 tirs, il n'y en a pas un seul qui touche. Boum, je le tire.
Tom, tu vas rentrer à la maison. Il en reste un là. On va essayer de se le faire à distance, tant qu'à faire. Henriette, tu rentres à la maison et on défonce ce saleté. De défoliateur. Voilà. Ça en transport urgent. Autorisé, c'est quoi? CNCG, je ne me souviens plus. Ordre autorisé, c'est W. Tac. Non, c'est ça que je veux faire. Tac. Tout ça transporté, tout ça c'est autorisé déjà. Ça c'est une arme que je transporte, ok. Allez. Putain, bande de glandeurs, j'y crois pas. Bande de glandeurs, quoi. Ah là là là, ça m'énerve ça. Bien. Hop. Encore une mission réussie. Ketox, va me soigner tout ce petit monde, s'il te plaît. Bingard 20h. C'est magnifique comme c'est vampire qui guérissent tout seul, c'est grandiose. Allez, la nature peut reprendre ses droits. 98 de bois, ça fait plus lourd. Hop. Bien, bien, bien. Est-ce que j'ai des quêtes? Non. Putain, c'est le désert en quête, c'est hallucinant. Cette partie, c'est... Je sais pas si c'est le fait d'avoir... justement, d'avoir que Biotech. De pas voir les deux autres. Et du coup, je me disais que ça allait bah, augmenter le contenu spécifique à Biotech. Et c'est peut-être pas le cas.
besoin de caillasse. Et en particulier de d'ardoise. Ah, c'est bien les cochons. Vous nourrissez de ce qui est sain. Oh putain, le thrombos il te bouffe des arbres quoi. La vache. Il te bouffe des arbres entiers quoi. Ça rigole pas. Ah, ça y est, il est dressé. Dressage est terminé. Et forcément, du coup, son maître, c'est DB Games. Au carrelage noir et blanc. Ça recherche, oui, ça recherche. Ah, non. Chercheur. Katox, t'es bien occupé. Shadow, toi, t'es meilleur priori. Shadow, t'es quoi, toi? Tire, sociabilité intellectuelle. Ouais, c'est ton dommage. Pourquoi tu me fais ça, du coup? Ah ouais, t'es un bon... t'es pas mal en avec. Mais non. Shadow. Boom Shadow. Rassembler du bois pour transporter l'inventaire. Est-ce que tu vas pas rechercher? Ah mais oui, si, je sais pourquoi tu veux pas rechercher. C'est logique. Hop. Je te mets en 3 là. Non, tant que t'es là. Hop. Tant que t'es là, tu peux aller le chercher. Bien. Énergie géothermique, yes, ça c'est cool. On avait dit qu'on faisait des longues lames ensuite. Table de nuit en calcaire qui est un chef-d'œuvre, c'est formidable. Bravo Tom. Oh non. J'aime pas les parades musculaires. Ah putain, c'est du marbre que j'ai maintenant. En quantité astronomique. Bon, c'est bon à savoir. Ça va, j'ai pu terminer tout ça. Ouais, du coup, j'ai pas pu terminer là. C'est con. Tiens, j'ai oublié de gérer... Oh, plein. Tac. Non, c'est bon. Il y a des choses ici. Always, t'es pas noctambule. Non, t'es indolente. Rossignol totalement guéri. Eh bé. De la marbre, excellent. Bon. Normal. Hop. Spiky.
Tu viens de gagner un excellent lit en marbre. Non. Installer. Toi, je démolis ça. Hop. Éventuellement, si je pouvais avoir un marchand, ça m'arrangerait. Je serais content de revendre du bordel. Avec les mêmes paramètres que ce que j'ai là. Lunette est totalement guérie, les longues lames sont recherchées. Alors, très bien. Je pourrais chercher les armes de précision histoire de me faire mon propre fusil d'assaut, même si j'en ai déjà pas mal. Alors, j'ai cherché le forage en profondeur, j'ai besoin du scanner biologique. Ouais, si j'en ai besoin de ça. Forage en profondeur. Est-ce que j'arrive à... Ouais, si c'est bon. Non, j'arrive à avoir un vrai stock de. Un vrai stock de. Commande de composants, mais. Alors, du coup, je peux faire également de vraies armes. Épée longue en plastacier en particulier. Donc, tu vas m'en faire plusieurs parce que. Mine de rien. C'est quand même pas ouf ce que j'ai là. Il faudrait au moins avoir 3. 1, 2. Ouais, il faudrait que je me fasse 3 épées en plastacier. Voire plus si affinité. C'est combien à chaque fois? C'est 100. Et du plastacier, j'en ai 414. Ouais, bah, tu vas en faire que 3 du coup. Salut Kaiser, bienvenue sur le live, merci de ton passage. Comment vas-tu? Moi aussi calcaire du coup. Répète en boucle. Bon, écoute, ça va pas mal. La petite colonie se développe bien comme il faut. Donc, bon, si on n'était pas dimanche soir et que demain il faut retourner bosser, ça irait mieux, mais... Plus d'immunité artistique. Oui, il va sans dire. Hein. Hop, ça, je ne veux que les mecs qui ont 20 en artisanat pour le faire, quoi. Le minimum, c'est 20. toi, je pourrais peut-être te faire un petit accélérateur.
Bon, il faut que je me fasse une crypte aussi. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Katox est de nouveau enceinte. Kenton, félicitations pour la troisième fois. Alors, cheveux bruns et cheveux cendrés. Balèze. Et oui, tiens, en parlant de nouveaux vampires, vampirettes. Kenton, il faut qu'il donne ses gènes à Damnette quand même. Faudra pas l'oublier. Quand t'auras fini de transporter, hop, allez. Va donner tes gènes. Ici, à main freinée de mouvement. Hop, allez, tiens. Réimplanter. Pour fêter la naissance de voilà. Et Chobiti d'ailleurs. Ouais, par contre, il y a juste ça qui me fait un peu peur. Il faudrait une autre banque de sang. Mais lui, il est pas mal. Ça me plaît particulièrement en fait. Avec petit dormeur et noctambule. C'est un mec qui va pouvoir passer beaucoup de temps à rechercher. Et puis aussi, il va me falloir une autre. Ouais, il faut que je me fasse une crypte. C'est obligé quand même. Une vraie crypte, là, je pourrais faire. Une crypte en ardoise, c'est obligé, hein. Il faut son noir pour respecter la tradition. Structure. Et en ardoise. Attends. Torch, tac. Reculer derrière les pièges. Et l'autre couple, bah, le truc c'est que Rossignol. Non, en fait, le problème c'est que Rossignol est un. Comment? Est noctambule. En fait, ils dorment jamais ensemble, Tom et Rossignol. D'ailleurs, j'imagine que. Ouais, tu vois, ils font jamais crac-crac en fait. Mais c'est logique, parce que. C'est vrai qu'il faudrait que. Peut-être que je décale sa nuit. Que je le fasse passer. Bon, à la limite, je m'en fous. En fait, je m'en fous un peu. Attends, le fait qu'il soit. Est-ce que ça impacte s'il est en 2 jours? C'est un bonus d'humeur et une perte d'humeur. Il n'est pas pénible. Ouais, bah, en fait, parce que s'il fait crac-crac, s'il est heureux, de toute façon, j'aurais pas de problème d'humeur avec lui. Donc en fait, c'est vrai que je pourrais hop, le faire comme les autres. Hop. Pour que effectivement ils finissent par faire quelque chose. Désinstaller. DB Games, tu vas les soutenir également. Monsieur Storch. Voilà. Tac. Tac.
Est-ce que je suis bien limité? Non, c'est une erreur. Parce que du coup, vous allez chercher à perpète les oies. Vais plutôt lancer une opération transport. Modéré, 17 blocs, ça ira bien. Est-ce que ça me plaît moyennement? Vous passez votre temps à faire des allers-retours. Alors, un lieu n'est plus attribué à lui, je sais. Normal, c'est celui-là, celui-là maintenant. Donc c'est attribué à Spike. Ok. Et je voulais. Oui, j'avais dit faire une crypte. Hop. Une grande crypte. Nos amis les vampires. Tac. Avec une porte là. Avec une porte là. C'est peut-être un peu grand quand même. Parce que ça fait. Wow, 640. C'est peut-être un peu grand. Ouais. Bien que ce soit une crypte et que ce soit une. Et que ce soit un clan de vampires. Peut-être pas abusé quand même. Ah, c'est déjà pas mal. Non, c'est pas ça. Tac. Ça fait quoi comme. 12 par 7, 84. Voilà, c'est déjà correct. Ketox, oui. Allez vous soigner. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus d'hémogène que ça. Ah oui, non, c'est bon en fait. Ouais, comme j'en ai à deux endroits, c'est un peu trompeur. Ouais, en vrai, ce serait plus malin si je mettais pas les pattes d'hémogène ici. Oui, si un jour je pourrais peut-être faire du vrai carrelage ici. En marbre, c'est un peu con. En vrai, ça, vous allez le faire après. Hein. J'ai oublié de le préciser, mais c'est quand même pas la priorité. Faites d'abord les murs et ensuite le sol, coco. Hop là. Bon, ceci dit, moi je vais m'arrêter. Demain matin, je me lève tôt. On va aller chercher peut-être un autre aide. Hop. Je vais sauvegarder cette partie. Qu'est-ce qu'on peut aller raider? Qui est-ce qu'on peut aller raider? Alors,
dans les contacts classiques de Monsieur le Cygne. Il n'y a personne de connecté. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des gens bien sympas que vous connaissez, chez qui ça vaudrait le coup d'aller faire un petit raid, sinon je peux parcourir. Hop, dis-moi qui figurez moyen de ce soir. RimWorld en français, Byswap, il y a encore. Et ben ouais, chez Byswap. Hop. Allez. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi ce live. Merci particulièrement à Monsieur Caneton, qui est toujours très présent et toujours de bons conseils. Je vous dis à bientôt, hein. N'hésitez pas à revenir, nous faire un petit coucou, ça nous fera toujours plaisir. Et puis à bientôt. Allez, plein de bisous tout le monde.